Alors, vous le savez, dans l'émission, dans Bring the Noise et sur WeFM, on soutient les groupes français, en tout cas quand on peut, hein, on fait notre maximum. Et il y en a un qu'on a déjà diffusé, dont on a déjà parlé, c'est bien sûr Déviance. Et ils sont là dans les studios. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Vous êtes venus à deux. Voilà. Voilà. Represent. C'est ça. Alors bon, je connais très très mal en fait Déviance, donc je vais poser des questions un peu bêtes, mais au moins j'en saurai plus. Comme beaucoup d'auditeurs, j'en suis sûr, au moins ils vont pouvoir vous placer. Alors déjà, vous venez d'où et comment vous êtes rencontrés? Alors en fait, on vient de Paris, ça a commencé en 2005, hein, pas de bêtises, hein. fin 2004, en septembre. Mm-hmm. Et très vite, on a enregistré un premier album avec Stéphane Burier. Ensuite, on a enregistré un EP avec Davy Portela de Playmo. D'accord. Et là, actuellement, on est en train de préparer le deuxième album. Et donc voilà, on est tous de Paris, des alentours. Et puis, on s'est retrouvés vraiment autour, un amour commun de la musique. Et puis, voilà. C'est en fait des potes qui se sont dit, tiens, on va faire un groupe et puis on va décrasser des oreilles, quoi. Pas vraiment. En fait, non, on se connaissait pas au départ. On s'est rencontrés par le biais de d'amis. Et puis, le site de rencontre, bon d'accord. C'est ça, adoptamec.com. Voilà. Et puis, et en fait, j'avais mis une annonce dans des studios, en fait, et qui leur a mis la puce à l'oreille. D'accord. Voilà. Ok. Oh, quelle belle petite histoire. Et donc un premier album déjà, tu vois, je le savais pas. Donc je peux mourir moins bête désormais. Et ce deuxième album avec un nouveau titre qu'on a déjà diffusé sur l'antenne, qui s'appelle donc Soleil d'encre, c'est ça? C'est ça. Vous chantez en français tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. D'accord, c'est un choix ou c'est juste parce que c'est notre langue. Voilà, et tout simplement. Du coup, c'est juste plus simple d'écrire comme ça. Et enfin, j'aime beaucoup la langue, donc. Et vous pensez quoi des groupes justement qui choisissent de faire de chanter en anglais pour entre guillemets pouvoir s'exporter? Vous pensez que le français pose aucun problème de ce côté-là? Bah, s'ils le font bien, pourquoi pas. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils cassent les oeufs, mais ça n'a pas marché. Si on a des mecs gentils quand même, il n'y a pas de souci. On fait de la musique sérieuse, mais on est très gentils. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il sort quand ce nouvel album? En septembre. En septembre. Il n'y a pas de date précise, il y a un nom. Hein. Encore. Non, on n'a pas le nom encore. Enfin si on a le nom en fait, mais ce qu'on annonce. Ouais. Ok, ça s'appelle, il va te plaire en plus, je pense, ça s'appelle Accords interrompus. Ah, effectivement. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que cet album parle beaucoup des rapports charnels, beaucoup des rapports humains, et du coup, voilà, le côté. Enfin. Bon, ça parle de cul, quoi. Un petit peu, ouais. Non, mais soyons clairs, bon, c'est vrai que. Il y a beaucoup de groupes qui aiment parler de ça maintenant, parce qu'avant il y avait la tendance années 90 où on pleurait pas mal sur les problèmes de l'adolescence, et là ça tourne beaucoup autour de l'amour en ce moment. C'est quand même un petit peu plus positif, même si des fois ça fait extrêmement mal au cœur. Ça parle de tout, de qu'est-ce qu'il y a, professeur? Non, j'étais juste en train de penser que l'amour ça fait pas que mal au cœur des fois. Voilà. Bravo. Soyez que je dise dans cette émission de tous les obsédés sexuels, c'est n'importe quoi. Bref. Il y a Aurélie qui revient bourrée d'un concert. Salut. Bref, donc revenons à Déviance. On peut trouver tout ce qui tourne autour du groupe sur plein de plateformes, sur MySpace, Facebook. Vous avez des sites, vous avez un site particulier où il y a plein de photos, de vidéos, de noms. Ouais, si on a ça, bien sûr, hein, Déviance.net. D'accord. Et sinon, bah tu mets tous les sites que tu connais, MySpace, tout ça, avec / Déviance, et ça marchera. Et donc avec un Z à la fin. Voilà. Je viens de poster l'adresse du Facebook sur la page de Bring the Noise. Merci. Très bien. Deviance. C'est important. .net. Allez voir. Vous allez kiffer, j'en suis sûr, parce que nous on aime beaucoup. Il y a des dates un peu, il y a des concerts qui se préparent. Justement, je joue vendredi avec l'ancienne chanteuse de The Gathering à la Seine-Bastille. On fait sa première partie. Ouais, c'est la classe. On est quand même assez fans dans le groupe, donc du coup c'est une super occasion. Ah ouais, c'est super cool. The Gathering. Ouais. À l'époque. Oh là là. Oh, je n'y parle. Ça fait bien aussi. Oui, j'aimais bien aussi. Et du coup, le lendemain, on joue à Cergy au Pacific Rock avec un tribute band de White Snake. Sérieux? Voilà. De White Snake. De White Snake. Voilà. Mais c'est un truc de ouf. Ça n'a rien à voir. Pour ah oui, non, ça n'a rien à voir, effectivement. C'est beaucoup, beaucoup plus glam quand même. Il va falloir que vous prépariez des pantalons en cuir là un petit peu. Je crois que ça va être ça. Bah, cuir moustache. Hein. Ouais. Bon, si on écoutait un de vos. Non, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Bah, je sais pas, il y a. Mais chaque chose en son temps. Ah, d'accord. Chaque chose en son temps. Autant pour moi. On revient juste après la chanson.
On est d'accord, c'est beau. Vous voulez tout dire maintenant et puis après ouais, vous partez quoi. On va revenir après. Non, mais vas-y, on va prendre Alain comme ça et puis voilà. Comme ça on peut discuter un petit peu en antenne et puis on voit dans quel état est Aurélie. OK. OK. Allez, on écoute ce titre de Déviance, s'appelle Soleil Dank, c'est sur WeFM et dans Bring the Noise. Déviance sur WeFM et dans Bring the Noise, DEVIANZ.net, c'est le site internet pour avoir toutes les informations sur le groupe. Ils sont toujours avec nous, bien sûr, c'est un groupe français qu'il faut suivre absolument. Rendez-vous sur MySpace pour écouter d'autres titres, j'imagine qu'il y en a plusieurs du premier album aussi, non? C'est ça, des deux premiers disques en fait. Ouais. D'accord, ben voilà, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est bien fait. Ouais, voilà, mais les jeunes aujourd'hui, ça tout fait. D'accord, j'en suis sûr qu'on a le même âge. Hein. Faut pas le dire. Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire justement? Vous êtes donc en concert. Redonnez un peu les deux dates là que vous allez faire. Alors, vendredi prochain avec la demoiselle de The Gathering, là, Anneke, à Sainte-Bastille, le lendemain à Cergy, donc au Pacific Rock. Donc pas très loin, si vous voulez les voir en concert, les Parisiens, ceux qui habitent en Ile-de-France, bougez-vous le cul, c'est un concert absolument à voir et je pense que le deuxième sera bien amusant. Ouais, mais le premier sera bien aussi. Ah non, le premier sera énorme, c'est différent. Le premier, les gens vont se défouler. Deux salles, deux ambiances. Exactement. Et il me semble que vous avez un petit cadeau pour les auditeurs. C'est ça. Oui, donc pour le concert avec Anneke, on a deux places à faire gagner aux auditeurs. Deux places à gagner si vous voulez voir Déviance en concert. 08 21 23 1023. 08 21 23 1023. Vous allez. Franchement, ne pas regretter, c'est énormissime. En tout cas, ce titre, moi je le kiffe bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur le Facebook, parce que c'est toujours intéressant quand même de connaître l'avis des auditeurs. Ça fait un petit peu peur, j'imagine. Non, mais allez-y, allez-y. Je n'ose pas dire. Non, mais allez-y. Non, mais c'est vrai, quand ça doit déjà vous faire plaisir que le titre passe en radio, parce que c'est un style de musique comme que peu de radios diffusent. Bah vraiment, enfin, ça nous fait vraiment plaisir parce que bah déjà, c'est rare, je pense, sur une radio comme ça d'avoir des émissions rock. Donc, enfin voilà, c'est diffusé un peu partout. Je veux dire, c'est vraiment une super occasion. Merci à vous d'ailleurs, à toute l'équipe pour ça, quoi. Bah merci à vous. Vous nous avez donné un titre en exclu. On va pas non plus cracher dessus. C'était la classe. On est super contents. En tout cas, on le diffuse sur aussi WeFM, l'Alternative Rock, la web radio de Bring the Noise, qui est vachement écoutée et que les auditeurs apprécient énormément. Donc n'hésitez pas sur le Facebook à nous dire ce que vous pensez de Déviance. Et 08 21 23 1023 pour jouer et gagner des places. Vous allez faire quoi cet été? Cet été, ben, je pense qu'on va préparer le nouvel album. On va le mixer et puis voilà les dates. On va avoir des résidences à partir de septembre-octobre et je pense que les dates de concert pour la tournée vont arriver à peu près progressivement. Et puis ce sera en fin d'année, comme ça il fera un peu moins chaud. Comme ça vous laisse aussi un petit peu le temps de bronzer. Ouais. Vous aimez l'Espagne? Très. Il y va dans pas longtemps. Voilà, j'ai préparé 2 semaines en Espagne pour moi. Ah, et ben écoute, ça me fait plaisir. On va peut-être s'y croiser parce qu'on va aller en Espagne très bientôt, au mois de juillet, au Bilbao Festival. Et il y a une affiche de ouf. On en parle de quelques instants. En tout cas, il y a un groupe que tu dois connaître. Celui-là, tu connais, non? Oui, beaucoup. Rammstein. Voilà, la rigueur allemande, ça nous fait plaisir d'en diffuser sur WeFM et dans Bring the Noise. Ce titre, vous le connaissez, c'est America. C'est sur WeFM, bien sûr. C'est ça l'alternative rock.